Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. On va aller tester un spot inconnu, voilà, un spot qu'on n'a jamais pêché. Donc là, je vais chercher Guillaume. Et ensuite, on va bouger sur le spot qu'on a repéré grâce à Google Maps. Donc voilà, on va aller tenter ce petit spot. On va voir ce qu'il a à nous réserver. Quel poisson va-t-il abriter? Ça va être un grand mystère, donc on va partir en découverte totale. Allez, c'est parti. Voilà, nous sommes arrivés à destination. On va voir ce que ce spot nous réserve. Voilà, on connaît pas du tout ce spot, donc on va un peu pêcher au tout venant. Enfin, moi perso, je vais mettre un petit jacky en 90, blanc, un peu translucide là. Il y a un peu de soleil, l'eau est très claire, du coup je vais tenter ça. Ça va permettre de débusquer les moindres poissons qui seraient là, donc perche, brochet, peut-être cendre aussi. On va voir, c'est parti. J'ai même pas le temps d'aller chercher ma canne que Guillaume a déjà un poisson, ça commence très très bien. Un petit brochet. Hop là. Montre-nous ça. Voilà. Oh, piqué très très fort. Tadam. Superbe, il est pas gros mais ça fait plaisir. Ouais, le premier lancé, il est un peu dodu. Le spot est prometteur. Magnifique petit poisson. Ouais. Allez, c'est reparti, ça repart grandir. C'est parti. Nickel, oh, il est reparti comme un éclair. Comme une balle. On va bien jouer ça monsieur. Comme une balle, check. Bon, cette fois je vais aller chercher ma canne parce que en fait normalement je suis censé pêcher je crois, apparemment. Bien joué, Guillaume a encore un poisson. Décidément il veut pas me laisser pêcher, j'étais en train de mettre le fil dans ma canne. Deuxième poisson, un petit brochet, c'est à peu près la même taille, un peu plus petit un cette peu fois-ci. Plus petit, ouais. Mais bien bagarreur. Petit brochet qui va partir grandir, bon moi je vais peut-être essayer d'accrocher mon leurre parce que j'ai déjà deux poissons de retard. Ah c'est bon ça. Bon allez c'est parti cette fois, je vais essayer de pêcher. Pour l'instant le spot est surtout très 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 prometteur. À peine arrivé, déjà deux poissons, ça c'est bon signe. Si je vois que c'est du petit broc, je vais essayer de mettre un avançon et puis de pêcher un peu plus gros pour voir s'il n'y a pas plus joli broc à faire. Déjà, c'est très bon signe. Bah oui, c'est ça, c'est justement c'est les deux anses que j'ai vues, ils sont à droite. Poisson. Oh, poisson encore, 3-0. Ah, c'est plus joli ça, je crois, j'ai l'impression. Non. Non. Oh, la chandelle. Ça, c'est beau, ça. Et encore un petit brochet. Encore et toujours. Par contre, ça coffre, hein. Ça coffre de ouf. Bon, voilà. Et c'est fou, quand même. 3-0 en l'espace de 10 minutes, même pas. C'est ça. Bah, dis donc, pour l'instant, ça peut pas mieux commencer. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Trois brochets, bon, c'est des petits brochets, mais ça veut dire qu'il y a du poisson déjà. Il y a un endroit pour descendre ici, magnifique. Bon, ça doit être quand même pêché. Parce que pour qu'il y ait des endroits. Ouais. Est-ce que ça se tente ici? Fais gaffe, ça a l'air d'être marécageux. Ouais, de toute façon, même là-bas, on pourra rien faire. Tiens, regarde. C'est pêché. Pêcheur au cou. Ah oui, d'accord, ok. C'est des endroits pour pêcher au cou exprès. D'accord. Bah oui. Et ça fait un chemin parallèle. Du coup, on va moins être emmerdé. Bon, allez, merde. Je l'ai vu, je l'ai vu attaquer. Je sais pas c'était quoi, un petit brochet, une perche, mais en tout cas je l'ai vu.
Bien joué. Guillaume, un poisson. C'est joli. Ça, c'est bon, ça. Un peu plus costaud. Un peu plus costaud, un peu plus... Alors, un peu plus conséquent, un peu plus bruiteur. C'est ça. C'est bon, ça. Bien joué. Bon, bah. Ouais, nickel. Bien joué, man. J'ai mis ça pour essayer. Bien joué, man. Merci. J'ai mis ça pour essayer, justement. Je me suis dit, tiens, je vais passer avec un truc bruiteur. C'est ça, hein ? Ça change un peu d'espèce. Enfin, toi, pour l'instant, moi, non. T'es à 5 brochets, je te rappelle. Moi, je suis à 0. Yes. Je vais essayer un stop and go avec le crank. Poisson. Poisson ? Ouais, à la pause. C'est vrai ? À la pause, ouais. Tu veux ou... Non, je pense que c'est petit. Ouais, à la pause. Ça y est, c'est bien ça. C'est peut-être un brochet ou une perche, on sait pas. C'est un brochet. À la pause, sur le petit crank blanc que j'ai gagné au perche contest. Oh, il est piqué juste au coin de la gueule, ça c'est bon. Ah, nickel. Et voilà. Un petit brochet, voilà, pris sur le crank que j'ai gagné au perche contest, là, le crank tout blanc. Voilà, superbe petit brochet, il a des belles couleurs, une belle petite tête. C'est magnifique. Allez hop. Sublime. Ah, j'adore. Yes. Il m'a pris à la pause, je faisais du linéaire et plus rien. Enfin, même plus rien. C'était pas plus rien, c'était rien, parce que j'ai rien pris avant. Mais il m'a pris à la pause. Ça fait plaisir. Donc voilà, sur le petit crank gagné au perche contest, je sais même pas c'est quoi. Mais en tout cas, il plonge très peu profond, et comme vous pouvez l'entendre, très 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 bruiteur. Ça fait qu'il montre qu'il est là, quoi. Ça fait plaisir, yes. Poisson, oh, décroché. Il m'a mis une tape à la pause et j'ai sorti le touc. Bon bah voilà les gars, petit update de la session. Alors, pour l'instant ça fait une heure qu'on pêche. L'heure légale se termine dans 40 minutes. Et puis on en est à 6 brochets. Guillaume il en fait 5, dont 4 au déracou et 1 au lipless. Moi j'en fais un avec le petit crank blanc que j'ai gagné au perche contest. Voilà, le perche contest c'est une petite compétition que j'ai faite il y a pas longtemps. Et justement dans laquelle j'ai fait un brochet de 1m03, le truc de fou, de la chance totale. Et si vous n'avez pas vu l'action, je vous invite à aller la voir parce que ça vaut le détour, franchement c'est un coup de chance monumental. Donc voilà, la petite pub est passée. Et voilà, donc il fait pas mal de bruit, il plonge pas beaucoup. Et on a l'impression que c'est ce qui les déclenche, c'est des animations avec des pauses dans pas beaucoup d'eau. Parce que si on touche le fond, on prend des algues et donc du coup notre leurre il est plus pêchant. Voilà, c'était le petit update de la session, on va continuer, il nous reste 40 minutes de pêche. Le vent se lève, ça va peut-être nous déclencher un joli poisson. Mais déjà... L'objectif de faire du poisson sur ce spot a été rempli parce qu'on connaissait pas du tout le spot avant d'arriver. C'est parti.
La vie, c'est un joli brochet, c'est par ici. Dans les hautes herbes en face. Oh là là. Poisson. Ah, cool. Oh, ça m'a ramassé sur le fond, c'est trop bizarre. Ah ouais? Enfin, non, ça, pas sur le fond, mais je veux dire à la pose. Oh, c'est. Oh, chandelle. C'est un énorme brochet encore. C'est coffré. Wow, le crank. Oh, je vais galérer à le décrocher. Merde. C'est pour ça que j'ai rien senti. Wow. Dingue. Ah, il n'y a pas d'eau, gros. Il n'y a pas d'eau du tout. Bon bah voilà, obligé de faire le débrief avec la lampe du téléphone parce qu'il est 7h tout juste, là ça y est c'est la fin. On arrête de pêcher, bon on arrive à faire quelques poissons quand même, Guillaume il en fait 6. 6 c'est une nano-perche. 6 c'est une nano-perche, vraiment une minuscule perche. Moi j'en fais 2 avec le petit crank blanc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'était une prise de la température, cette première petite session sur ce spot inconnu, mais ça fait plaisir d'avoir trouvé quelques poissons. Et puis bah rendez-vous pour une partie 2.